Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. S'il est une pensée avec laquelle je suis en tout point d'accord, c'est celle du journaliste du XVIIIe siècle, Sébastien Roch Nicolas de Champfort, qui était aussi poète et moraliste, et qui disait « La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri. » Nombre de terriens, pétrifiés par la fascination qu'ils portent à ce qu'ils nomment les grands maîtres ascensionnés et groupés dans des systèmes de croyances, souvent implémentés par leurs concitoyens, rejettent l'idée que les extraterrestres puissent être dotés d'humour. Ils sont, pensent-ils, si spirituellement avancés ou illuminés qu'ils dédaignent toute bonne blague. Mais la spiritualité est synonyme de lumière et de joie, et l'humour n'en est certainement pas exclu. En d'autres termes, un maître ascensionné n'est autre qu'une personne en chair et en os qui a les pieds posés dans un vaisseau spatial ou sur une planète tout aussi physique que la vôtre. Ils aiment s'amuser, chanter, danser, rire, raconter des histoires drôles. Ils sont tout autant, et selon leur personnalité, amusants, comiques, moqueurs et humoristiques, et sortent quelquefois des blagues sarcastiques, ironiques, désopilantes ou même, croyez-le ou non, crûment salaces. Et oui, voilà le monde extraterrestre dans sa vraie réalité, celle que vous tentez de découvrir. Je suis Tim de Space News. Vous ne pouvez bien entendu connaître ces détails que si vous êtes en contact direct avec des extraterrestres. Je le suis pour ma part depuis 75 ans et depuis ma naissance, lorsqu'ils me rendaient visite toutes les nuits jusqu'à mes 3 ans ou plus tard lors de grands événements. Mais ces contacts se sont beaucoup intensifiés lorsque j'étais moine en Asie, et encore plus depuis le début de l'année 2016. Mes contacts sont directs avec différents équipages qui sont à bord de vaisseaux-mères qui évoluent en haute orbite terrestre. Nos conversations sont à la fois en audio, comme on parle à un ami au téléphone, j'entends leur voix et eux la mienne, ou par écrit, ce qui me permet d'enregistrer les milliers de conversations que j'ai eues avec eux depuis 2016, noir sur blanc. C'est comme toute personne sur Terre, lorsque vous les connaissez bien, sur une très longue période et souvent toute votre vie, vous savez très bien qu'ils ont le sens de l'humour. Nous allons dérouler pendant ce mois de décembre, traditionnellement consacré aux fêtes de fin d'année, la thématique des célébrations chez les extraterrestres. À commencer par les célébrations qui ont lieu à bord des vaisseaux spatiaux qui se trouvent en haute orbite terrestre où il y a des milliers de vaisseaux spatiaux entre le Soleil et la Terre, à la périphérie de la Terre et du Soleil, dans notre système solaire. Ils appellent notre système solaire Sol 13, car ils prennent en considération 13 planètes et non pas 8, comme sur Terre. Ils comptent en plus des planètes principales Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, des naines non considérées comme des planètes sur Terre, comme Pluton, qui a perdu son statut de planète, Zérès, Oméa, Makemake et Eris. Comme ils sont dans l'espace depuis des décennies, voire quelquefois plusieurs siècles, les stellaires aiment faire la fête. Je parle essentiellement des stellaires qui ont une morphologie similaire à la nôtre.
tout comme nous le faisons, ils fêtent les anniversaires. En voici un exemple. Des Pléiadiens fêtèrent un triple anniversaire. Le contexte était vraiment très surprenant, car il s'agissait de trois jeunes filles, toutes trois versions d'elles-mêmes, à des âges différents, et elles étaient toutes nées le même jour, le 9 mars. Comme elles se trouvaient en présence les unes des autres, ce qui est extrêmement rare, elles décidèrent de célébrer leur anniversaire ensemble. Toutes les versions s'appellent Li, de Li 1 à Li 12. Elles sont les filles d'une version d'elles-mêmes encore plus âgée qui est à l'origine de leur lignée et dont elles portent ensemble la conscience. Cet ancien extraterrestre Ptah s'appelle Ishta, Ishtar sur Terre, ou Ma, la mère. 12 générations ont suivi, toutes composées de femmes, nées d'elles-mêmes par parthénogenèse ou venant de la même ligne de temps ou de lignes de temps différentes. Elles sont toutes comme des jumelles à des âges différents et à quelques menus détails près physiquement. Li 12 est la plus jeune. Elle est jeune à l'extérieur, physiquement parlant, et très vieille à l'intérieur. Elle est fragile et restera petite, n'excédant pas 1,50 m toute sa vie. Elle vient d'un niveau de réalisation qui est cosmique. Li 9 est beaucoup plus musculaire et forte, avec des jambes puissantes et une taille de 1,60 m. Elle a un niveau de réalisation qui est stellaire. Et Li 10 est distante. Li 12 et Li 10 ne se parlent pas beaucoup. Li 10 a également une taille de 1,61 m. Le 8 mars, les préparations allaient bon train sur leur vaisseau mère et le lendemain, la fête éclata pour 34 participants avec des plats végétaliens préparés la veille, pas d'alcool, mais des jus de fruits, de l'eau, la plus pure et des infusions d'herbes, de la musique. Li 12 me dit qu'elle avait mangé 6 parts de gâteau et qu'elle en avait eu mal au ventre. La petite gourmande. Un spectacle avait été organisé par le commandant de bord du vaisseau, une autre femme, qui la représentait en train de danser. C'est son passe-temps favori et elle est devenue pro. Elle est grande, 1,90 m, et fine comme une liane. Et c'est sans compter les talons qu'elle portait ce jour-là. Le spectacle fut féerique, comme me dit Li 12. Avant de clore cette présentation et de passer très vite à la suivante, j'invite tous les sponsors de Space News à assister aux deux derniers directs de l'année qui auront lieu les 11 et 18 décembre 2022 à 17h sur YouTube. Ils durent tous les deux une heure. Le deuxième volet de cette série, qui est consacrée aux fêtes et aux célébrations chez les extraterrestres, je vous raconterai quelques situations amusantes et des remarques hilarantes des extraterrestres qui vont vous faire éclater de rire, j'en suis sûre. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.